C'est une Caroline Marjorie Dent soulagée et heureuse qui est apparue ce 1er février sur Instagram accompagnée d'une invitée surprise, sa fille Victoire. Cette dernière qui s'était blessée en tombant le 26 janvier dernier a tenu à rassurer les abonnés de sa maman, pour leur plus grand bonheur. Caroline Marjorie Dent plus suivre ne plus suivre Caroline Marjorie Dent est l'une des acheteuses chouchou des téléspectateurs d'affaires conclues mais elle est aussi propriétaire d'un magasin d'antiquités marché Biron aux puces de Saint-Ouen et également maman de deux enfants Alexandre et Victoire qui reste, malgré sa vie à 1000 km/h, sa priorité. Alors quand sa fille Victoire l'a appelée à l'aide ce 26 janvier après une chute, Caroline Marjorie Dent n'a pas hésité et elle s'est rendue au chevet de sa grande chérie posant ainsi un lapin aux milliers d'internautes avec qui elle avait rendez-vous pour un apéro festif en direct de son compte Instagram. Un rendez-vous manqué dont elle s'est évidemment excusée et que les internautes lui avaient de toute façon pardonné, bien plus inquiet pour la ravissante Victoire, que déçu de l'occasion ratée. Il faut dire que la jolie brune n'était pas à son coup d'essai, elle est tombée et elle s'est démis l'épaule, c'est la deuxième fois en 2 mois, ça commence à faire beaucoup. Avait annoncé la copine de Stefan Van Endenhoven sur le célèbre réseau social. Dès le lendemain la dynamique blonde avait donné des nouvelles de Victoire qui écopait d'une épaule déboîtée nécessitant la pose d'une attelle pour au moins 2 semaines. Victoire sonne à la douane s'amuse Caroline Marjorie dont ce 1er février la comparse de Julien Cohen a fait une surprise à ses abonnés en apparaissant en vidéo avec une invitée surprise. Devant la caméra elle a dévoilé sa Victoire toute souriante équipée de la fameuse attelle. Bon les amours vous savez quoi, voilà Choupi ce n'est pas un gilet pare-balles. Elle a bonne mine tout va bien, ce qu'il faudrait c'est qu'elle la garde sérieusement 3 semaines sinon on va lui mettre des agrafes murales. Victoire ne semble pas affolée par cette perspective, Jen est déjà une dans la jambe, lance-t-elle. C'est vrai ma fille sonne à la douane, elle a des agrafes à la jambe, bientôt au bras on est au taquet à ironiser Caroline Marjorie Dent. L'acheteuse a ensuite incité sa fille à vite rassurer les abonnés super inquiets. Puis elle a saisi son grand bébé pour la couvrir de baisers, c'est sur cette image d'amour et sur leur sourire radieux qu'elles ont tiré le rideau de leur boutique des puces, pour la plus grande joie des abonnés de Caroline Marjorie Dent, la Victoire Mania peut commencer. View this post on Instagram à post shared by Caroline Marjorie Dent, @caromarjoriedent.